Bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous Avenue.ca, le premier de la saison d'automne 2021. Alors, au programme ce soir, l'héritage des mots avec Louise Portal. Je suis Françoise Genet, directrice et rédactrice en chef d'Avenue.ca, et nous diffusons en direct du Montréal Cowork sur la rue Saint-Denis à Montréal. Ce soir, on a un petit spécial. Pour la première fois de nos diffusions web, nous avons en salle 10 participants, 10 lecteurs assidus d'Avenue.ca qui se sont mérités une place pour ce soir pour assister à la diffusion en direct de cette entrevue. Alors, c'est une première expérience pour nous. Bienvenue tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à vous à la maison. Alors, vous l'avez vu en intro, Avenue.ca, c'est un magazine web où on ne parle pas de beauté ni de mode, il n'y a pas de recettes, mais il y a plein de textes et de chroniques passionnantes sur des sujets qui vous interpellent. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'Avenue.ca, c'est une initiative du réseau FADOC qui, avec ses 550 000 membres, est la plus grande association de personnes de plus de 50 ans au Canada. Alors, on les salue bien bas. Avenue.ca, c'est aussi comme ce soir, les rendez-vous Avenue.ca, des soirées qu'on espère ludiques, intéressantes, autour de la culture, de la dégustation, du voyage, ou comme ce soir, de l'inspiration. Depuis notre lancement, nous avons tenu 38 de ces rendez-vous, c'est le 39e ce soir, 30 en présence ici à Montréal et dans plusieurs régions du Québec, et 8 virtuels, le 9e ce soir. Alors, on est heureux de vous rejoindre un peu partout en région. C'est toujours agréable de savoir que vous êtes nombreux derrière l'écran. Et c'est toujours aussi décevant de ne pas pouvoir vous serrer la main, mais au moins, on vous rejoint en plus grand nombre. C'est bien temps le temps de vous parler de notre soirée très spéciale. On s'offre rien de moins qu'une des visages les plus connus de nos écrans, Madame Louise Portal, qui vient de lancer, de publier aux éditions Druide ce très particulier livre, voilà comment je vais le dire. Ce livre tendresse, je vous dirai pourquoi plus tard, qu'elle co-écrit, elle co-signe avec Jeannette Rivière. Elle aussi, vous allez la découvrir tout à l'heure. Alors, c'est un très beau livre qu'elle vient de faire paraître, L'héritage des mots, qui est aussi le thème de notre soirée, parce qu'il sera question de mots, de textes dans cette soirée avec cette femme qui est écrivaine, comédienne, conférencière et qui a été même chanteuse et qui chante encore, qui va le faire pour nous d'ailleurs ce soir. Elle va nous faire plaisir, nous faire un ou deux extraits de livres et en plus des petites chansons qu'on est très contents d'avoir. Je vais faire comme d'habitude une petite pause de 3 minutes pendant l'entrevue, le temps de procéder à la première série de tirages. Alors évidemment, on fait tirer en premier 2 exemplaires de l'héritage des mots et on fait aussi tirer un autre livre de Madame Portal que j'ai trouvé très amusant qui s'appelle « Le journal de ma vie ». Et qui est un journal à remplir soi-même, mais qui est truffé de conseils et de textes de Madame Portal. Alors, qui pourrait vous donner un guide pour écrire votre vie, pour votre famille, pour vos petits-enfants, pour vos enfants. Donc, voilà. Pour être admissible à ces tirages, vous devez absolument aller poster un commentaire dans la section commentaires du Facebook Live sur lequel vous êtes présentement pour que notre système automatisé vous repère et puisse peut-être vous choisir. Alors voilà, et là, on procédera aussi à la fin de l'entrevue à une autre série de tirages. Voilà, ça fait le tour pour la soirée. On va faire les choses comme il se doit et on va tout d'abord écouter un parcours, un survol d'un parcours exceptionnel de Madame Louise Portal. Portal naît en 1950 à Chicoutimi. La famille compte 5 enfants, dont sa sœur jumelle, la comédienne Pauline Lapointe, décédée en 2010. Dès l'enfance, la jeune Louise développe le goût du jeu dramatique et hérite de son père médecin, Marcel Lapointe, le goût de l'écriture et des longues lettres. Louise fait ses premières armes sur les planches au théâtre amateur en compagnie de Rémi Girard, Marie Tifo et d'autres jeunes qui caressent comme elle le rêve de faire le métier. À 18 ans, elle met le cap sur Montréal où elle fera des études au Conservatoire d'art dramatique. De son premier rôle dans un téléroman en 1970 à aujourd'hui, la comédienne a tenu des rôles dans plus d'une vingtaine de séries ou téléromans, dont 19-2, Le volcan tranquille, Casino, Graffiti, Tabou, Fortier, Nos étés, Destinée, 30 vies, Toute la vérité et tout récemment dans la série Trop. Au cours de sa carrière, elle a joué dans 45 films, dont certains titres ont marqué le paysage cinématographique québécois, comme Le déclin de l'Empire américain, Les invasions barbares, Les copains d'abord, L'odyssée d'Alice Tremblay, Le bonheur des autres, L'ancien compte, Le garagiste, Les loups, Séraphin,
Paul à Québec, où il pleuvait des oiseaux. Au début des années 80, elle lançait, parallèlement à son premier livre, Jeanne Janvier, son premier album de chansons, dont elle signait les textes. Dans les années suivantes, elle en disquera 3 autres albums et donnera plusieurs spectacles. À l'aube de la cinquantaine, Louise Portal reprend la plume et signe plusieurs ouvrages, dont la trilogie Cap au renard, qui connaîtra un grand succès de librairie. Au total, elle a publié une 20aine d'ouvrages, dont Pauline et moi, L'actrice, Seule, Les mots de mon père, Le journal de ma vie, 3 livres jeunesse, un recueil de ses chansons et son tout dernier ouvrage, L'héritage des mots. Chemin faisant, elle cofonde en 2002 les correspondances d'Eastman et adopte la région où elle vivra pendant plusieurs années. L'événement qui fait la part belle aux mots et à l'écriture remporte un vif succès qui se maintient encore aujourd'hui. Et des sentiers de promenade ont même été renommés en son nom. Louise Portal a été nominée et lauréate de plusieurs prix, notamment le prix Génie pour le meilleur rôle de soutien qu'elle a remporté pour son rôle de Diane dans Le déclin de l'Empire américain, et 2 fois le prix Gémeaux, meilleure actrice, pour le rôle principal dans son rôle de Chantal dans la série Graffiti. Soucieuse de l'importance de transmettre et de témoigner du geste d'écrire et des parcours littéraires et artistiques, Louise Portal a offert en 2015 ses manuscrits et ses archives à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui a créé le fonds Louise Portal. À 71 ans, Louise Portal reste très active et est toujours animée par sa passion des mots, de l'écriture, du chant et du jeu. Elle donne également des conférences et participe à des jurys pour des prix en culture ou littérature. Amoureuse de la vie et de son homme, Jacques Hébert, dont elle partage la vie depuis 1995, elle continue d'écrire chaque jour. Nous sommes très heureux de la recevoir ce soir à un rendez-vous avenue.ca. Mesdames et messieurs, Madame Louise Portal. Bonsoir, Louise Portal. Wow! Hein, c'est tout un parcours. Ben oui, merci Françoise. C'est toujours agréable de revisiter ces parcours-là, parce qu'on oublie certaines choses, puis on a plaisir à les revoir aussi. Tout à fait. Puis plus on avance, plus on fait ce voyage hein, vers le bilan de vie, vers le passé. Puis c'est assez étonnant. Puis on a beaucoup d'accueil aussi pour tout ce qu'on a réalisé, puis tout ce qu'on a raté aussi. Mais oui. De ne pas rater grand-chose. Non, mais moi, je suis comme en semi-retraite, là, puis je trouve que quand j'écoute tout ça, j'ai fait ma part. Check. Check. Si vous voulez bien, Louise, on va commencer un peu par la fin. Oui. Hein, avec ce dernier livre qui vient de paraître, L'héritage des mots. Et là, vous co-signez ça avec Jeannette Rivière. Je l'explique rapidement. C'est votre grand-mère adoptive. J'en dis pas plus, vous nous racontez ça. Il y a beaucoup de choses, en fait. C'est la correspondance que vous avez entretenue. Alors, je vous laisse nous raconter cette histoire, qui est une histoire d'une rencontre, puis d'une correspondance, oui. Et d'une grand-maman. Oui. Bien, moi, j'ai toujours aimé l'écriture à la main. J'avais un correspondant quand j'avais 14 ans, que j'étais pensionnaire. J'ai écrit beaucoup de lettres d'amour dans ma vie. J'ai eu des correspondances avec Doris Lussier, avec le père Ambroise Lafortune et tout ça. Et un jour, j'ai rencontré donc Jeannette aux Îles-de-la-Madeleine. Son fils Sylvain organisait un festival de contes puis m'avait demandé d'être présidente d'honneur. Et tout à coup, on a un repas et il y a cette femme à mes côtés qui est la maman de Sylvain. Et là, ben, il y a eu tout un moment donné, il y a un foulard qui s'est échappé par terre, je l'ai pris. Il y a eu comme une connivence entre Jeannette et moi, et doucement, ça c'était en 2006, je crois, on a commencé un petit peu à correspondre. Et à un moment donné, la qualité de ses échanges. Lettres, de nos échanges épistolaires, je lui ai demandé d'être ma grand-maman d'adoption, parce que moi j'avais perdu ma grand-mère. Ouf! Pour pas que je commence à être trop émotive, là. à la veille de mes 12 ans. C'est la seule aînée dans ma vie que j'avais connue. C'est tellement important d'avoir une figure comme ça. Je crois. Juste avant qu'on commence, les gens qui sont commencés à se procurer mes livres, ils ont acheté le compte pour enfants pour leurs petits-enfants. Bien sûr. Bon. Alors, et puis je lui ai écrit, puis j'ai dit, voulez-vous être ma grand-maman d'adoption? On va, j'espère que Pascal est prêt, parce que j'ai un petit peu sauté mon affaire, puis je sais qu'il avait préparé ça. On va vous faire plaisir, et vous allez voir qui est Jeannette Rivière, puisque j'ai une petite vidéo. Voyons donc. Oui,
Est-ce que ça roule? Est-ce qu'on peut faire rouler la petite vidéo? Comme nous autres. Vous êtes bien belle, tout en bleu. Regarde si on est raccord. Yeah. Oh mon Dieu, c'est beau, hein? Vous êtes belle. Là, je vais me couper mes cheveux parce que j'ai enlevé le bout de couleur. J'en mets 2-3 pouces de couleur. Vous avez l'air de petite moufette, c'est ça? Alors, elle vient de fêter son 100e anniversaire. Oui. Et ça, c'est le jour où vous êtes arrivée et vous lui avez remis le livre. Au mois de juin. Donc, la vie est bien faite. Ça fait un an et demi que je n'ai pas tourné sur rien. Et tout à coup, je reçois une offre pour aller faire un court-métrage en Gaspésie, à Carleton, à Maria. Et puis, je demande à mon éditrice, Anne-Barry Villeneuve, est-ce que mon livre va être arrivé? Est-ce que notre livre va être arrivé? En tout cas, parce que c'était compliqué, ça arrive à Chine par container et tout ça. Elle me dit, oui, je te jure, tu vas avoir au moins 3 copies pour t'en aller en Gaspésie. Alors, là, je m'en vais voir grand-maman Jeannette à sa résidence. Puis là, Radio-Canada filme. Puis là, je lui donne le livre. Bon, on est masqués. Puis à un moment donné, on a enlevé nos masques. Puis j'ai pu lui remettre en personne. J'ai trouvé ça tellement touchant parce qu'elle dit, il est tout doux. Ah oui. Il est tout doux. Mais en fait, l'intérieur est tout doux. Moi, je m'étais mis à côté des mots, des notes. Parce qu'au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que ce sont des lettres. Donc, on lit vos échanges de lettres. Il y a aussi vos réflexions entre ces lettres-là, oui. Des petits morceaux que vous racontez aussi à travers ça. Vous faites des parallèles avec votre père, avec d'autres personnes de votre vie. Puis finalement, on se demande pourquoi je vais lire les lettres que deux personnes se sont échangées, en quoi est-ce que ça va me concerner. Et sincèrement, c'est comme si quelqu'un était venu me caresser l'âme, le cœur. C'est ça, c'est de la tendresse. C'est qu'on lit tellement d'invectives, de choses difficiles, dures. Et là, tout à coup, on se met à lire des lettres de tendresse, d'affection, d'amitié réciproque, d'émerveillement. Il y a beaucoup d'émerveillement chez Jeannette. Et elle a une plume, Jeannette. Elle a une belle plume. Alors, je me fais plaisir. Un très court poème, là. « J'entrevois un trésor caché parmi les vagues et je souris à la vie encore une fois pour mieux respirer l'air de la baie et vous reconnaître mieux qu'avant. » Ah oui, elle a une plume. Elle est pleine de poésie parce que Jeannette, elle a toujours vécu au bord du fleuve. Elle a toujours vécu en Gaspésie. Et elle a élevé sa famille là. Et d'ailleurs, tous ses enfants, quand même déjà assez âgés, reviennent après avoir vécu à Dubaï, au Mexique, en Espagne. Bon, ils reviennent puis ils prennent toute maison à nouveau, pas loin de grand-maman. Mais Jeannette, c'est une femme qui est tournée vers les autres, voyez-vous. Alors, elle m'écrit à moi, puis moi, je lui réponds, puis ça dure, puis on reçoit des lettres l'une de l'autre, je dirais à peu près à toutes les 2 semaines, parce que là, on compte, même si le livre est sorti, nous autres, on continue de s'écrire. Mais elle écrit aussi à d'autres. C'est une femme qui est toujours en train de se manifester à l'autre. Savez-vous ce qu'elle a fait cette année, vu qu'il y avait encore quand même un peu de confinement à Noël? Elle a préparé une carte de Noël pour les 150 résidents de sa résidence. Puis elle a écrit un petit mot à chacun. Puis c'est les préposés qui sont allés déposer ça à la porte de chacun. Et elle a fêté ses 100 ans. Et elle a fêté ses 100 ans le 12 janvier. C'est quand même assez admirable. Puis c'est vrai, tu as raison, Françoise, elle est pleine d'émerveillement encore. Est tellement positive que moi, ça m'a nourrie toutes ces années-là parce que c'est une grande sagesse, mais elle cultive le bonheur. C'est aussi une ode à la correspondance, au geste d'écrire. Vous dites même, c'est presque subversif, c'est presque politique d'écrire une lettre à la main, c'est contre-courant. Bien justement, je vais vous lire un petit extrait. Ça tombe très bien, Françoise, parce que justement... J'écris ici, à la page 137 de notre livre, dans le chapitre « Les pertes et les deuils », la tradition d'envoyer des cartes de Noël s'est perdue, c'est dommage. Je fouille parfois dans les archives de mon père et je retrouve quantité de ces petits messages de bienveillance, cadeaux des temps anciens, une façon de se manifester et de donner des nouvelles de nos familles. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, FaceTime, Facebook, etc., nous pouvons nous voir et c'est un moyen fabuleux de rester en contact. On en a la preuve ce soir. Merci Pascal. Mais cela demeure des communications éphémères. Ces jours-ci, en ce printemps de confinement que nous subissons tous, j'ai repris la plume non seulement pour poursuivre ma correspondance avec grand-maman, mais également avec d'autres, des personnes plus ou moins âgées que j'aime
et qui sont peut-être plus seuls dans leur nid urbain, alors que j'ai le privilège d'être en couple dans mon chalet au Saguenay. Et je vous lis un extrait de lettre de Jeannette qui m'écrivait en janvier 2016. « Quant à moi, je continue mon voyage. Je veux un sens à mon nom. Je viens de tourner la page de mes 95 ans le 12 janvier et je navigue toujours à l'intérieur de moi comme un marin qui colmate les brèches de son bateau et surveille la ligne de flottaison. L'urgence de vivre m'oblige à être attentive à mon embarcation pour qu'elle tienne la mer. À bord, solitaire, tout en restant au creux de la vague, je devine le tournant du vent pour mettre le cap sur ma vie avec le goût du sel et du varech. Ne pas me ranger au rencard et tout faire pour que ma barque ne chavire pas. » Et souvent, elle va avoir des métaphores en lien avec justement la mer. Qu'elle aime toujours beaucoup. Elle est restée très sensible à la beauté des paysages parce que tout au long des lettres, je voyais, elle parle comme c'est beau ce matin, ou elle parle de son fleuve, comment elle est contente que ses enfants y reviennent, etc. Oui. Vous en aviez parlé, en fait, de Jeannette dans ce livre qui est paru en quelle année déjà? Ça, c'est paru, je crois, en 2019, oui, c'est ça. Donc, c'est un très bon livre de Louise Portal, Seule, et c'est très original. Vous avez rebaptisé chacune de ces femmes-là d'un prénom évocateur, élégante. Il y a aussi Seule et en passion. Seule en guérison. Laurence, qui est seule en essence, etc. Et dans celle-là, il y a Romance. Et Romance, je vous en lis un petit morceau. « Un été, je me suis retrouvée sur une île parmi d'autres gracieuses et verdoyantes qui baignent dans notre fleuve tant aimé, le Saint-Laurent. J'y ai rencontré Romance. J'ai reconnu en cette femme rieuse et chatoyante la vieillesse qui m'attendait plus en avant dans ma vie. Spontanément, je lui ai demandé « Voulez-vous être ma grand-maman d'adoption? » Dans un sourire ineffable, elle a répondu « Mais bien sûr, ma petite Louise. » Alors, vous l'aviez déjà décrit, Romance. Pourquoi vous en aviez parlé dans Seule? Parce que ce sont toutes des femmes seules, on comprend. C'est ça. Puis je voulais avoir un éventail de portraits de femmes qui étaient dans ma vie de différents âges. Alors, ça part de 48 ans à presque 100 ans. À l'époque, quand j'ai écrit ça, grand-maman avait 98 ans. Parce que je trouvais que cette solitude qu'on taxe souvent de terrible, de lourde, c'est comme toujours négatif. Moi, je connais plein de femmes qui vieillissent seules et que c'est très positif. Ça peut être habité, une solitude. C'est habité, c'est créatif. Et je trouvais que c'était inspirant, vraiment. Et j'avais écrit 2-3 portraits, j'avais montré ça à Anne-Marie Villeneuve, mon éditrice. Puis Anne-Marie, tout de suite, elle m'a dit, c'est très intéressant, Louise, as-tu le goût de continuer? Alors, je me suis recueillie. Puis là, j'ai pensé à ces femmes que je connais depuis tellement d'années. Alors, il y en a qui ont été très proches, d'autres un peu moins proches, mais chacune avait son essence particulière pour traverser justement cet âge qui avance. Puis parfois, mais on le traverse un peu dans la solitude, mais c'est ça, la solitude. Moi, en tout cas, je sais que je suis en couple, mais j'ai besoin aussi de beaucoup de solitude. D'être une solitaire. Bien, j'ai toujours eu besoin de cet îlot de silence pour justement être en contact avec ma voix intérieure. Et l'écriture, Françoise, me donne ça beaucoup. Parce que quand j'écris, c'est ma voix intérieure. Puis, j'ai besoin de cette plage de solitude pour me ressourcer puis me centrer. Parce que moi, en plus, j'ai fait un métier où j'étais toujours avec du monde. Le matin, à 5 heures du matin, 50, 75 personnes sur un plateau de tournage, là, ça déménage. Alors, j'avais toujours ma chaise de plateau avec mon nom dessus ou le nom du personnage. Puis là, c'était comme je me trouvais un coin tranquille avec ma bouteille d'eau. Je termine sur l'héritage des mots avec un petit détail là, qui vient de me revenir dans la tendresse et tout ça. Vous lui aviez dit à votre grand-maman que vous n'aviez pas beaucoup eu d'étoiles et de petits anges collés dans votre cahier à l'école. Elle s'est souvenue de ça. Oui. Et un bon matin, dans votre enveloppe, dans votre lettre, il y avait une petite étoile crochetée à la main. Oui, et une plume. Et là, il y a une deuxième lettre arrive, puis il y avait encore ça, puis une troisième lettre. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit à grand-maman,
mais pourquoi vous mettez toujours ça dans mes... Elle m'a dit, c'est parce que j'avais lu déjà que c'est ça, à la petite école, moi, je n'étais pas bonne à l'école. Je vous le dis tout de suite, là, moi, j'étais vraiment pas bonne parce que j'étais trop rêveuse. J'étais bonne en composition française et en méthodologie. Fait que mes cahiers d'écriture, c'est très, très beau. Mon journal, là, il est vrai, avec des collages, puis de la couleur, puis des dessins, c'est très beau. Alors ça m'a terriblement touchée parce que je me suis dit, c'est vrai que moi, ça m'a manqué d'avoir une étoile. Non, c'était vraiment mignon comme puis geste. L'ange, bien, la plume représentait l'ange, les anges que j'avais jamais eus. Puis d'ailleurs, dans notre livre, en Françoise, il y a beaucoup de visuels et on les voit, là, les plumes que grand-maman a glissées dans les enveloppes. Oui, très touchant aussi de voir sa main d'écriture, de voir le manuscrit des lettres, tout à fait. Ah, elle a une belle main d'écriture. Bien, comme disait ma mère, elle écrit comme les sœurs. Ah, mon Dieu. Mais écoutez, c'est quand même fabuleux parce que même à 100 ans, sa main ne tremble pas et elle écrit encore formidablement bien. Alors, mais c'est ça, quand on écrit tous les jours, depuis longtemps, on n'a pas perdu ce qu'on a appris à la petite école. Aujourd'hui, c'est différent, là, mais... Alors, on écrit au son aujourd'hui. Là, nous, on fait la promotion du retour à l'écriture romanesque et manuscrite. Oui. Alors, on va revenir au commencement, si vous le permettez, oui. Parce qu'il faut faire quelque chose qui a de l'allure, là, une certaine chronologie. Il y a beaucoup de paroles, de textes, de mots dans votre vie. C'est de ça dont il sera question. Et le premier mot dont j'aimerais qu'on parle, en fait, c'est un nom, Portal. Ah! C'est un nom de scène, mais au départ, c'était un nom de plume. Alors, je vous laisse raconter ça. C'est ça, c'est le nom de plume de mon père. Moi, je suis née La Pointe, Louise La Pointe de Chicoutimi. Et mon père était médecin. Il a été directeur médical de l'hôpital de Chicoutimi pendant presque 30 ans. On le voit à l'écran en ce moment. Mais papa aussi, il était peintre et écrivain. Et l'écriture était quelque chose de très important dans sa vie. Je crois que c'était ça qui lui donnait à lui aussi son île solitaire, son île d'expression. Et quand je suis partie pour le conservatoire, c'était la mode, hein, à la fin des années 60, de changer de nom. Hein. Marie Tifot, je me souviens, parce que moi, j'ai fait mon théâtre amateur avec Rémi Girard, Marie Tifot, Ghislain Tremblay, qui nous a quittés, notre cher Ghislain, Guy Corneau. Bon, ça, c'était notre gang. On faisait du théâtre amateur ensemble. Puis Marie, son nom, elle écrivait T-I-F-O. Anne Masson, c'était H-A-N. Puis moi, ça a fait... Louise Portal, le nom de plume de mon père. Tu sais, mais plus tard, je vais comprendre, c'est une identification en fait très, très forte au père. Et puis, après, je vais comprendre aussi que je pense que j'avais comme besoin, pour que Louise se dégourdisse puis prenne sa place, c'est comme si Portal m'avait donné ce qu'il fallait d'assurance pour pouvoir foncer dans ce métier-là, parce qu'il faut dire que nous, dans les années où on commence le métier, au début des années 70, il n'y a pas d'agence artistique, il n'y a pas d'agence de casting. Il faut frapper aux portes soi-même. Il faut aller frapper aux portes. Alors, ça prend beaucoup de culot, puis de courage, ce que j'ai toujours eu. Maman disait que j'avais du front tout le tour de la tête, parce que moi, quand j'étais pensionnaire, j'étais très dissipée. Hein? Je faisais des spectacles dans les toilettes, puis au couvent, puis... Je fumais en cachette, mais là, tu sais, je ne fume plus depuis 30 ans. Alors, vous êtes née La Pointe, oui. En même temps que votre jumelle, la comédienne Pauline La Pointe, qui nous a quittés en 2010, oui. Comme je le disais, mais on va reparler de Pauline un peu plus tard. Je vais y aller avec un autre mot, enfance. Ça ressemblait à quoi, l'enfance? Ça évoque quoi? L'enfance est un poème qu'on garde bien caché. Je vais vous promettre ça pour tout à l'heure, cette chanson-là. L'enfance, belle enfance, 5 enfants, dont 4 filles. Alors, écoute, on se déguise, hein, puis on joue à la madame, puis on a des fêtes, puis on a toujours 2 gâteaux, puis on vit dans une maison pleine d'antiquités, d'œuvres d'art. On a vraiment eu une très, très belle enfance et va se dessiner déjà tout de suite le désir de jouer, hein, d'incarner des personnages, parce que ces années-là, les années 50, les femmes étaient très élégantes. Ils portaient des chapeaux, des bijoux, des petites étoles de fourrure. Fait que là, nous autres, on allait piger dans la garde-robe de maman, puis on s'amusait beaucoup, beaucoup. Puis on jouait aux Esquimaux, puis aux Indiens. Puis en tout cas, c'était très, très,
les jeux étaient très importants, puis j'ai un très beau souvenir de mon enfance. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, là, vous avez commencé au théâtre amateur avec des gens qui portent des noms maintenant illustres, eux autres aussi, hein, oui. Rémi Girard, Marie Tifot et compagnie. Quand vous pensez à cette période-là, ça évoque quoi? Ah, ben c'est la découverte, c'est le début de mon épanouissement, en fait. Parce que comme je n'étais pas bonne à l'école, ni primaire, ni secondaire, en fait, moi, j'ai commencé mon cours classique, après ça, je suis arrivée à l'école secondaire, je me suis rendue juste au cégep. Mais quand je découvre le théâtre amateur à 15 ans, là, c'est comme si je découvre, en fait, tout mon potentiel. Parce que j'aime ça, de un, puis je m'épanouis là-dedans. Puis on vend des billets, en plus, à la salle de spectacle, Marie, moi, Pauline, Anne, puis on voit tous les spectacles gratuitement, tous les chanteurs, toutes les pièces de théâtre. Fait qu'on baigne là-dedans. Puis c'est ça confirme aussi cet élan-là, besoin-là. Ah oui, oui. Puis, c'est quoi la première fois qu'on se fait applaudir sur une scène? Nous autres, on avait un petit théâtre de poche. Puis c'était au Carnaval Souvenir, puis on avait monté une pièce de La Biche, puis une autre pièce de Courteline. Puis, ah oui, quand même? Oui, oui. Puis moi, je portais une robe du Carnaval que maman m'avait fait faire quelques années avant, mais que je portais pour jouer dans la pièce, parce qu'évidemment, on n'avait pas de budget. Là. On allait fouiller dans nos affaires. Fait que c'est des belles années, parce que nous autres, la sœur de Jean-Pierre Bergeron, que les gens connaissent aussi, était notre directrice, était religieuse, sœur Louisette, puis elle nous donnait toujours des petites permissions pour qu'on aille répéter. Puis quand moi, je ne pensais pas, elle me faisait penser. Rien de moins. À 18 ans, c'est le départ pour la grande ville. On oui. vient à Montréal, conservatoire d'art dramatique. Pas du premier coup. Non, pas hein? tout de suite. Non. Plusieurs essais, combien d'essais? Non. La première année, je suis refusée, moi. Puis oui. tout le monde est accepté, puis c'est une méchante épreuve. Oui. Mais aujourd'hui, je vois que cette épreuve-là est venue aguerrir, en fait. Et confirmer votre désir. Et confirmer. Oui. Puis ça va me servir plus tard, toute ma vie. C'est-à-dire que c'est un métier où on reçoit beaucoup de... on reçoit des noms, hein. Il y a des rôles qu'on espère qu'on n'a pas. On peut vivre beaucoup de rejets, puis beaucoup d'insécurité, puis de doutes. Mais moi, c'est comme... Non, moi, j'ai été refusée au conservatoire, puis j'ai dit, je me représente, puis c'est vrai que je vais être acceptée, puis je vais faire ça. Puis ça fait 50 ans que je fais ça. Donc, mon rêve m'a porté tout le temps. Puis, je pense que l'épreuve vient justement conforter notre passion, puis notre décision, puis notre désir. J'ai même vu que vous avez fait des ateliers à l'Actor Studio. C'est quand même assez cinétique à l'époque, là, l'Actor Studio. Oui, bien, c'était à Montréal. C'était Warren Robertson qui avait étudié avec Marilyn Monroe. Il était à New York et c'est Robert Toupin qui avait travaillé avec lui à New York et puis a commencé, Robert, à le faire venir ici. Alors, on était toute une classe. Moi, j'ai suivi les cours pendant 2 ans, mais on était tous des acteurs professionnels. Là. Moi, mon premier cours avec Warren à Montréal, j'arrivais en avion de Toronto. Je venais de gagner un prix à Toronto pour le déclin de l'Empire américain. C'est vous dire comment c'était extraordinaire, parce que d'abord, on jouait en anglais dans l'atelier. Puis Warren, c'était merveilleux parce qu'il m'a donné, il disait, « Louise, OK, sit down on the chair in front of everybody. » Fait que là, tu t'assois, puis là, tu as toute la classe. Puis là, il te demande de juste dire ton texte, tu sais. Puis là, il fait, OK, va chercher une émotion réelle de ta vie pour venir nourrir. Donc, c'est pas une légende urbaine, cette histoire-là. Pour ceux qui ne sont pas acteurs, c'est vrai qu'on travaille avec ce qu'on est, avec soi. Oui. Avec... Ah ben oui. Ben oui, parce que déjà qu'on utilise les mots des autres, des scénaristes, des auteurs, il faut qu'on aille nourrir aussi notre incarnation avec qui nous sommes, avec nos propres émotions. Moi, je dis tout le temps... Pour incarner, c'est comme pour écrire d'ailleurs. Pour incarner, il faut se présenter et s'abandonner. Puis simplement faire un exercice de demander à tout ce qu'on est, notre cœur, notre âme, notre passion, nos faiblesses, nos blessures, tout ça va venir nourrir notre incarnation. Moi, je ne passe pas par la tête. Moi, je passe par le cœur tout le temps. Je suis une impulsive, je suis une émotive. Donc, moi, ça a été... Et l'Acteur Studio, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, moi, quand je suis arrivée devant Warren,
J'avais à l'époque, quoi, 36 ans, 37 ans. Ça résonnait. Ah, complètement. C'était une méthode que j'ai trouvée extraordinaire. J'ai passé 2 ans. Il venait une fois par mois. Puis j'ai appris beaucoup de choses. Puis j'ai travaillé avec mes camarades professionnels. Alors, mais il y en a qui ont toffé là, plusieurs années. J'en vais avant ça. Le premier téléroman, c'est en 1970, avec Jean Desmet, si je ne me trompe pas. Mon premier... C'était pas la petite semaine? Ah oui, bon, je pensais à téléthéâtre. Oui, téléroman, c'est avec Jean Bestré, petit Jean-Jean. Et Yvon Dufour, Olivette. Oui. Ah oui, ça, là, écoutez, c'est quelque chose, là, ça, la petite semaine, parce qu'on a un dépanneur, nous autres, la famille Lajoie, puis il vient du monde, hein, acheter des affaires au dépanneur, puis toute la colonie artistique a passé par là, Denise Filiatro, Gérard Poirier, André Lachapelle, Yvon Thibouteau, Yvon Leroux, tous les comédiens qui sont hot là, dans cette époque-là, ils viennent faire une émission ou deux. Ah, moi, là, j'ai 22, 23 ans, là, c'est merveilleux parce que je rencontre toute la colonie artistique, fait que je me colle à ces gens-là, fait que je les regarde travailler. Hein? C'était merveilleux. Il y a beaucoup de mots dans ce que vous avez fait. C'est les mots des autres, dans les rôles, dans les scénarios, vous en parliez. Comment on s'approprie les mots des autres comme ça? Comment on se les approprie? C'est une bonne question. Parce que je pense qu'en principe, vous ne les changez pas. Hein? Parfois, il y a un peu de place. Ça dépend. Je me souviens qu'avec Denis Arcand, à un moment donné, Denis disait « Je travaille assez fort sur mon scénario. » Là, tu sais, là, non, c'est important. Mais en général, il y a des réalisateurs. C'est sûr qu'habituellement, l'auteur n'est pas là, à moins que le réalisateur ait écrit son scénario. Donc, c'est important qu'on se sente à l'aise aussi pour le mettre en bouche. Mais il faut faire attention pour ne pas prendre de raccourcis. Parce qu'à un moment donné, on développe des tics de langage. On ajoute des tics tout le temps. Puis moi-même, quand je me regarde en entrevue, des fois, je fais « Louis, fais attention ». De ne pas toujours avoir des tics de langage. Il faut se surveiller. Puis en même temps, on veut rester spontané. Alors, comment qu'on s'approprie? En général, on a des très bons scénaristes, puis on a des très bons auteurs et autrices qui travaillent sur les téléromans et les séries. L'émotion est déjà là, est déjà indiquée, oui. Est déjà présente. Quand on est bien dirigé, puis quand on a des bons partenaires, je pense que c'est tout un processus. Hein? On apprend notre texte. C'est sûr que maintenant, à la télévision, on travaille très, très rapidement. Ce n'est pas du tout comme quand j'ai commencé ma carrière il y a 50 ans. Aujourd'hui, il faut que tu arrives prêt parce que tu répètes une fois la scène puis tu la tournes. Alors, ça prend du métier quand même. Ça prend beaucoup de métier puis ça prend une certaine assurance. Mais moi, je préconise beaucoup qu'il faut faire confiance à notre instinct. Puis il faut être... Je vais vous envoyer ailleurs. Oui, allez-y. Un autre mot, un autre nom, Cordélia, parce que j'ai l'impression que ça a été marquant. Je pense qu'on a un extrait vidéo. Pascal va nous envoyer ça sûrement. Oui. Oui. On me délivre, je vais revivre. Et mon cœur vole comme un pinson loin des prisons. Le jour chavire, vire, vire, la nuit. Ah, c'est un rôle qui a été... Oui, mais Cordélia, c'est pour ça qu'elle chante dans la prison, parce que Cordélia tenait des salons littéraires chez elle, puis on dansait, puis on chantait, puis elle jouait de l'harmonium à l'église. Ce qui était fort subversif. Oui, oui, c'était une femme qui a vécu, hein, puis qui est morte pendue. Supposément, elle était la maîtresse d'un homme engagé chez elle, Samuel Parcelot, qui était joué par Gaston Lepage. Alors oui, c'est un rôle très important parce que ce rôle-là, je le joue, j'ai quoi, 28 ans. Je suis vraiment au seuil de ma trentaine. C'est un premier rôle, le rôle titre, mais je joue un personnage historique qui a déjà existé. C'est pas la même vibration qu'un personnage de fiction, là. Je suis sûre que si vous,
vous interviewez des comédiens qui ont incarné des gens qui ont existé avec des destins particuliers, ils vont vous le dire que c'est pas du tout la même chose. Emmanuel Bilodeau, quand il a joué René Lévesque, là, ça devait être quelque chose. Son côté subversif qui vous intéressait, son côté rebelle, insoumise? C'était comme une féministe, tu sais, d'une ouais. certaine façon. C'était une femme qui suivait pas les rangs, qui était libre. C'était ouais. une femme libre. Et puis, elle va le payer de sa vie. Mais moi, j'ai toujours pensé que Cordelia n'était pas coupable. Et j'ai essayé par mon incarnation En tout cas, moi, dedans de moi, j'avais tout le temps ça, là, que j'étais pas coupable. Là. Ouais. Non, c'est allé très loin. J'ai vécu beaucoup de choses à travers ce tournage-là. Puis c'est vraiment un moment très, très marquant. Ma rencontre avec le réalisateur aussi, avec Jean Baudin, qui nous a quittés il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, 3 ans. Ça a été un grand tournage, parce que quand tu as le premier rôle comme ça, puis tu es 30 jours sur le plateau de tournage, puis tout le focus est sur... Puis c'est un drame en plus, c'est fort. C'est intense, oui. C'est très intense. En parlant de mots, un jour, vous avez écrit un premier livre, on l'a mentionné pendant la biographie, Jeanne Janvier. Jeanne Janvier que vous allez revisiter un peu plus tard et qui était vraiment une femme de 30 ans. Hein, c'était là où vous en étiez dans votre vie à ce moment-là. La même année, là, vous vous mettez à la chanson. Oui. Et vous écrivez vos textes de chansons. J'ai d'ailleurs une chanson qui s'appelle Jeanne Janvier. Un matin, je me sens comme une fille de calendrier, Jeanne Janvier, ronde comme une pêche, mais froide comme un melon. Alors moi, je suis venue à la chanson parce que j'étais en peine d'amour. Oh. Puis comme je dis tout le temps, j'avais essayé le yoga et le yogourt, mais il n'y avait rien à faire. Et puis, j'ai commencé à écrire et puis j'étais dans un spectacle pour enfants en écoutant Le cœur des pommes. Un texte de François Depaty et le musicien Jean-Pierre Bonin. J'ai demandé à Jean-Pierre s'il avait envie de mettre de la musique sur des textes que je venais d'écrire. Puis on est parti à Saint-Jean-Port-Joli dans un tout petit chalet au bord du fleuve. Et puis on a pondu un spectacle, comme ça, juste piano électrique. Là. Donc vous étiez une comédienne, vous étiez déjà montée sur les planches pour jouer des rôles oui. dramatiques ou comiques ou... Et là, c'était de les chanter. Le rapport au public, oui. le rapport aux mots. Oui, bien, c'est parce qu'en fait, moi, c'est vraiment, même si j'écrivais mon journal et tout, c'est vraiment l'écriture des chansons. J'en ai quand même écrit 50 pour 4 albums. C'est vraiment l'écriture des chansons qui me donne ma première voix écrite. C'est comme si, après ça, les romans vont venir plus tard. Mais moi, je rêvais secrètement de faire de la comédie musicale, puis je rêvais d'être une écrivaine un jour, mais c'était comme des rêves. Puis finalement, la vie va orchestrer toutes sortes de rencontres puis de chemins pour m'amener. C'est pour ça que c'est correct d'avoir une peine d'amour, parce que si ça te fait écrire des chansons, why not? vous avez aimé chanter, vous avez fait 4 oui. albums, peut-être 25. J'ai chanté pendant 13 ans, mm-hmm. j'ai fait plusieurs scènes, plusieurs tournées au Québec. Je suis allée chanter à Bobineau, à l'Olympia à Paris. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que j'ai eu une carrière importante de chanteuse parce que c'est de 80 à 93. Puis à 93, c'est mon chant du cygne. Je fais un dernier spectacle solo. Là, cette fois, c'est dans un lieu théâtral. C'est à la Licorne. Puis c'est très théâtral. Je n'ai pas de nouvel album. C'est vraiment comme... Puis là, c'est là que ça va s'arrêter. Ça a été décevant cette fois-là. C'était pas tellement décevant comme... Comment je pourrais expliquer, François? C'est comme si des fois dans la vie, on prend un chemin puis tout à coup, on sent que... On est ailleurs. On fait des haltes, mais des fois, c'est le temps d'aller se rencontrer autrement et ailleurs. Et puis, je vais mettre un terme à ça, mais en même temps, ça on est en 92, 93, je vais me séparer d'un musicien avec qui je suis depuis plusieurs années, depuis 13 ans, puis c'est comme je change de vie, c'est comme je change de peau, je quitte la campagne, je me retrouve avec une petite valise et un chien, c'est pas compliqué, puis il y a autre chose qui va fleurir de ça. Fait qu'il faut pas avoir peur d'aller de l'avant, puis de... Moi, je trouve ça très important. Et l'écriture,
on y revient aux mots. L'écriture va toujours être mon bâton de pèlerin pour continuer d'avancer dans le chemin de mon destin. Ça va juste prendre une autre forme. Voilà. Vous avez publié d'ailleurs un recueil de vos chansons en 2001. Oui. Je ne sais pas, j'ai trouvé cet extrait magnifique. Je ne suis pas certaine parce que je n'ai pas pu mettre la main sur le recueil de chansons. Mais vous avez écrit quelque chose de très beau. « Je monte sur la scène comme on accouche un soir, toute seule dans le noir pour la première fois. Je monte sur la scène tout comme un travesti. Je me déguise en femme pour enfanter ma vie. » Comme si je faisais l'amour, comme si je faisais l'amour. Oui. Eh bien oui, ça a été ça. C'est pour ça que je regrette rien de ces années-là. Ça a été des années formidables de chanter avec 5 musiciens, de partir en tournée, d'aller jouer dans des grandes salles, d'aller jouer dans des clubs, d'aller jouer dans des discothèques. Tu sais, c'est les années 80, là. C'est pas facile d'être une chanteuse dans les années 80, là. Moi, j'ai fait 5 disques. Pouvez-vous croire que je n'ai jamais fait un sou noir avec 5 disques qui ont été vendus et écoutés, hein? Et c'était comme ça, puis je payais mes musiciens, mes affiches, puis je faisais jamais d'argent. On va s'en aller à la pause tranquillement. OK. Déjà? Mais on va se faire plaisir, puis on va écouter cette petite chanson que vous nous avez préparée, qui nous ramène un peu, je trouve, à grand-maman, à l'enfance, à tout ce qu'on vient d'évoquer. Alors, c'est une chanson que j'ai jamais endisquée, mais je l'ai écrite, ça fait quand même déjà presque plus de 25 ans. L'enfance est un poème qu'on garde bien caché. Y sont inscrits les rêves qu'on ne veut pas oublier. Je cachais des trésors dans des boîtes à souliers. Je collais des cœurs en or sur des poupées de papier. L'enfance nous ressemble. Et quand on devient femme, l'enfant qu'on a été marche à nos côtés. Mon petit lit dans la nuit, c'était l'arche de Noé. Je sers encore un ourson quand j'ai envie de pleurer. Quand je pouvais plus prier, mon père venait me consoler. Aujourd'hui, je m'endors, un homme à mes côtés. L'enfance nous ressemble, et quand on devient femme, l'enfant qu'on a été marche à nos côtés. Dans la maison déserte, brûlaient des chandeliers, j'inventais des poètes qui venaient me courtiser. Quand j'ai mal à l'enfance, j'ouvre mes vieux cahiers, je relis mes poèmes pour ne rien oublier. L'enfance nous ressemble, et quand on devient femme ou homme, l'enfant qu'on a été marche à nos côtés. Alors, sur cette belle voix, cette mélodie en tendresse de l'enfance, on va faire une petite pause de 3 minutes. C'est le temps de procéder au premier tirage. Est-ce qu'on a pas mal de gens derrière leurs écrans, Julie? Oui, ça commente. N'oubliez pas que pour être admissible à nos tirages, que le système automatisé vous reconnaisse, vous devez écrire un petit commentaire dans l'espace prévu à cette fin sur le Facebook Live. Et évidemment, si vous êtes un des gagnants des 3 tirages que nous allons faire, vous devez nous envoyer un message privé sur la page Facebook d'avenue.ca en nous donnant vos coordonnées pour qu'on puisse vous faire parvenir votre livre. Alors, c'est donc, on va faire tirer 2 exemplaires sans post-it, là, je vous le dis, vous allez avoir des exemplaires neufs. C'est ma manie, j'oublie toujours d'enlever tous les post-it que j'ai mis pendant ma recherche. Donc, 2 exemplaires de l'héritage des mots de Louise Portal et de Jeannette Rivière chez Druide. Et on va faire tirer un exemplaire pour cette première vague de tirage du Journal de ma vie, guidé par Louise Portal. Moi, je vous le dis, c'est un exercice que j'ai vraiment envie de faire
elle nous suggère de passer à travers les décennies, d'écrire des choses qui nous ont été importantes, qui nous tiennent à cœur. Je trouve que c'est un beau leg, c'est un beau cadeau hein, dans la transmission. Ah oh, ben moi, c'est le thème de mes années septuagénaires qui viennent de commencer depuis 2 ans. La transmission. C'est la transmission. La transmission, c'est vrai que c'est important. Alors, est-ce qu'on a déjà un premier gagnant? Pour l'héritage des mots aux éditions Druides. OK. Alors, on a déjà 2 gagnants. Ce sont 2 gagnantes. La première, Sylvie Saint-Pierre, qui se mérite, n'oubliez pas, de nous écrire sur Facebook en message privé. Et la deuxième personne, c'est Madame Danielle Poitras. Alors, ça prend des lunettes aussi à 70 ans. Oui, oui. On transmet, mais ça prend des lunettes quand on vieillit. Je vais leur faire des dédicaces, évidemment. Ah oui, les livres sont chez moi. On okay. s'organisera. Okay. On l'a déjà fait de façon virtuelle, ça fonctionne. Alors, bonjour, merci. Voyons, bonjour, merci, ça y est, je suis mêlée dans mes mots. Félicitations aux 2 gagnantes. On fait un 3e tirage pour un premier exemplaire du Journal de ma vie. Et la... Je vais avoir besoin de mes lunettes, car oui, effectivement, c'est un tout petit papier. Alors, Madame Thérèse Morin, alors vous recevrez le journal de ma vie. On va faire une autre série de tirages à la fin de l'entrevue. Pendant que Louise reprend son souffle, une gorgée d'eau, au retour, elle va nous lire un beau texte d'un de ses livres, Un été trois grâces, qui est un autre bel ouvrage qu'elle a signé. J'en profite pour souligner le travail exemplaire de Montréal Cowork qui nous reçoit ce soir pour une énième fois. Ce sont des locaux qu'on peut louer en salle ou à temps plein, des locaux où on peut installer une petite entreprise ou des consultants, du faire du coworking. Ils ont des salles de réunion très intéressantes. Ils ont même un studio. Alors, c'est vraiment un très bel endroit avec beaucoup de services aux locataires. Ils ont une mission particulière aussi aux entrepreneurs venus d'ailleurs. Alors, moi, je trouve que c'est des endroits de réunion où il se passe des rencontres. Alors, je les salue. Je les remercie de leur accueil toujours aussi chaleureux. Je remercie aussi les éditions Druides qui nous ont gentiment envoyé tous les livres pour les tirages, etc. Et voilà, j'annonce aussi le prochain rendez-vous avenue.ca. Tant qu'à faire, on va se faire un peu de pub. Le prochain rendez-vous avenue.ca sera le 19 octobre. Écrivez ça à vos agendas. Il sera encore question de livres et de littérature puisque ce sera la 7e édition de notre Salon avant le Salon, toujours à la librairie Monet. Et la semaine prochaine, ce sera en ligne sur avenue.ca. Vous pourrez découvrir les 6 auteurs de la rentrée. Mais je vous dis, il y a des belles surprises. Alors, c'est une soirée qui est animée par moi, mais surtout par Claudia Larochelle, notre chroniqueuse livres et société, qui fait un travail formidable. Alors, on va reprendre le fil de notre entrevue, que je suis certaine de vous trouver intéressante, vous aussi, avec une lecture. Donc, je laisse Louise nous faire les honneurs de ce texte. À partir de cette absence, le décès de ma sœur jumelle, une lutte a cessé. J'ai acquis de la confiance. Désormais, une nouvelle lanterne éclairera ma route. Et Pauline n'y est pas étrangère. Je la sens proche, avec moi, comme si elle rattrapait le temps perdu. Et à la suite de cette perte, je me retrouve en mouvance. Les années d'ambition de ma jeunesse ont été suivies par les années de notoriété. Et voilà que ma vie dans la soixantaine avançait de plus en plus vers la réalisation personnelle. Toutes ces années se fonderont en une seule avenue, celle de la sérénité. Avenue.ca. Tendre vers la paix du cœur. Avancer avec aisance dans l'agir. Éliminer les relations difficiles et toxiques. S'ouvrir à la beauté du monde. Être un travailleur de lumière en tout et partout. Et déjà, en ces années de ma vingtaine, j'avais écrit « J'ouvre mon cahier et fidèle à moi-même, je m'accorde du temps. Belle recluse, je suis et resterai tant que je ne me serai pas rapatriée. Réapprendre à vivre sans attente.
Il me faudra traverser bien des saisons d'apprentissage. J'entreprends le long voyage intérieur qui me permettra de mieux cerner l'amoureuse échevelée. Doucement, l'angoisse fait place à la sérénité à mesure que j'avance vers la connaissance de moi. Je suis dans un avenir qui me fait signe. Et cet avenir que j'appelle à 20 ans et auquel j'aspire, j'y investirai toute ma créativité, non seulement comme artiste, mais également dans la traversée de mes amours difficiles. Et l'écriture quotidienne deviendra ma prière et ma méditation. Me déposer chaque jour, me présenter devant les pages blanches de mon cahier, sera ma façon d'arpenter le territoire de mon intériorité. Alors, c'est dans notre beau livre à Christiane Pasquier, Marie-Lou, Dion et moi, Un été, trois grâces, récit de scène et de vie. C'est presque un contrat avec vous-même là, que vous venez de passer. Hein? C'était oui. Ben, une résolution, un engagement envers vous-même. Oui, c'est intéressant, François, que tu dis ça, parce que tu vois, toi, tu as d'autres mots, mais pour là, tu m'éclaires sur mon propre parcours. Je pense que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours avancé en ayant voir ce qui se passait à l'intérieur. Puis ça, j'appelle ça, c'est le chemin intérieur, c'est le chemin, c'est ça la spiritualité. On se demande c'est quoi la spiritualité. C'est pas très compliqué. C'est notre essence, ce qui se passe à l'intérieur de nous, au-delà de l'image, au-delà de la performance, au-delà de... des choses matérielles, on est une essence vibrante. Et puis, nous, les artistes, on est chanceux parce qu'on peut avoir accès à l'expression de ça dans l'écriture, dans la musique, dans la peinture, dans la danse. C'est un privilège. Moi, je trouve qu'être une artiste, c'est un grand, grand, grand privilège. Alors, vous faites ce contrat avec vous-même. Je vais écrire. Vous avez 125 cahiers, je pense. Là, je suis rendue à 130. J'en ai commencé un 130e il y a 3-4 jours. Alors, ce sont des cahiers dans lesquels vous écrivez tous les matins. Je vous ai déjà entendu dire en entrevue que ce n'était pas la discipline qui était importante quand on écrit, mais la constance, la persévérance. Oui, puis moi, c'est un besoin. Hein? Exactement. C'est une prière, c'est une méditation. Puis moi, je fais des collages. Puis vous les décorez, vous les agrémentez. Oui. Donc, vous les avez gardés tous vos cahiers. Et tout ça. Et c'est d'ailleurs ces choses-là, entre autres, qui vont se retrouver dans le fond Louise Portal. Oui, bien, il y a déjà tous les cahiers de 14 ans jusqu'à de 1964 à l'an 2000. Puis j'ai gardé ceux depuis l'an 2000, donc j'en ai beaucoup. Parce que j'en écris à peu près 4 à 5 par année. C'est des bons cahiers quand même. Alors, les autres, en temps et lieu, iront rejoindre ceux qui dorment déjà aux archives. C'était une belle idée. L'idée était de transmettre, encore une fois, de laisser une trace. Oui. Ça souligne aussi tout le travail qu'il y a derrière l'écriture, la démarche artistique, oui. De pouvoir consulter le fond. Bien aussi, c'est ce qui arrive aussi, François, c'est quand tu n'as pas eu d'enfants ni de petits-enfants, là, tu te dis, qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Parce que moi, j'ai tout gardé, mes scénarios de films, les pièces de théâtre dans lesquelles j'ai joué. J'avais tellement de papier. Puis je me disais, mon Dieu, et c'est ça, en 2015, on vend notre propriété en Estrie, puis là, je vois que j'ai des boîtes et des boîtes, puis en plus, j'ai toutes les archives de mon père, j'ai une vingtaine de boîtes, des archives de papa, avec des choses fabuleuses. Alors là, j'ai décidé de faire une démarche, et puis Hélène, des Archives nationales, quand elle est venue chez moi, elle était pas mal impressionnée, parce qu'elle trouvait que, ben j'avais... Je vous l'ai dit, j'étais première en méthodologie. C'est ça, vous avez déjà un travail archivistique de fait. Oui, tu sais, j'avais des lettres, j'avais une lettre de François Truffaut, des lettres des cartes de Denis Arcand, de Charlotte Rampling. Tu sais, j'ai fait tellement d'affaires dans ma vie, fait que elle trouvait ça très intéressant, tous mes manuscrits, parce que moi, j'écris toujours mon premier jet à la main de mes romans. Oui, ça. Donc, il y a, tu sais, première version, deuxième version, après ça, je rentre ça à l'ordinateur. Donc, pourquoi c'est un geste nécessaire à la main? Alors là, je vais regarder mon mari, il va rire parce que je dis tout le temps... Il y a des secrets? Bien, c'est parce que j'aime écrire à la main, puis je dis tout le temps, c'est parce que c'est le cœur, puis ça fait ça comme ça, là. Ah, oui. Puis lui, il écrit aussi, puis des fois, il se dit, oh, je suis pas sûre, puis je dis, non, regarde, laisse le cœur aller jusqu'au bout de la main. Il y a Antonine Maillet qui disait qu'elle avait écrit Pélagie la charrette au crayon de plomb. Ah, ben.
parce qu'elle trouvait que justement, ça donnait le rythme de la charrue qui avançait dans la terre glaise. Et c'est merveilleux. Oui, tout à fait. Oui. Donc, il y a vraiment quelque chose dans le geste. À l'ordinateur, c'est comme c'est moins incarné. Mais c'est ça, tu peux. Moi, c'est parce que quand j'écris, je monte pas trop là. Tu sais, je laisse aller. Ça sort. Ça, c'est Jacques Allard, mon premier directeur littéraire avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans chez Urtubis, qui m'a donné confiance parce que Jacques, il me disait tout le temps Non, Louise. Écris. Fais-toi confiance, écris. Parce que lui, il avait saisi la personnalité que j'avais, que j'étais une sensible, une impulsive, une passionnée, j'étais pas une cérébrale. Puis d'ailleurs, quand je travaillais avec Jacques, c'est une petite anecdote qui est charmante, tu sais, souvent quand j'avais comme, mettons, j'étais en train d'écrire un roman, mettons, L'Angélus de mon voisin, Sonne l'heure de l'amour. C'est un roman que j'aime beaucoup sur le deuil. Et là, j'appelais Jacques, puis je disais, là, j'ai 50 pages, j'aimerais ça t'y lire. Puis là, il disait, pas de problème, Louise. OK, on fixe parce qu'il restait aussi à Eastman. C'est pour ça qu'on a cofondé les correspondances d'Eastman. Fait que là, Jacques, il s'emmenait chez nous, j'allais chez lui, puis là, je m'installais, on s'installait toutes les deux dans une pièce, puis là, j'y lisais 50 pages. Mais là, je faisais tous les temps, moi, là, je faisais les personnages, je pleurais. C'est une lecture habitée, là. Complètement. Le mot est très juste, François, habité. C'est vrai que quand j'avais fini, là, je me souviens, la première fois, j'ai fait « Tous les auteurs sont-ils comme ça? » Il dit « Non, heureusement. » Parce qu'il n'aurait plus eu de vie, lui. Non, lui, il aimait ça parce que c'était particulier à moi. Puis c'est ça, c'était comme... Alors lui, il m'a donné beaucoup confiance. Puis c'est comme ça que j'ai développé. Parce que moi, je n'ai pas fait d'études littéraires. Je me souviens quand il m'a parlé sur mon premier roman, « L'Enchanté », qui est sorti en 2001, ça fait quand même longtemps. À un moment donné, il m'a dit « Tu sais, Louise, tu as une scène médiane dans ton roman. » J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, il m'a expliqué c'était quoi une scène médiane. C'est une scène à peu près au milieu d'un livre qui fait basculer l'histoire puis qui fait un pivot, un rebondissement. Puis là, il m'a dit « Garde, vois-tu la boîte, là, que quand elle arrive? » Puis bon, puis là, j'ai dit « Ah oui, il dit, tu l'as fait instinctivement. » Entre Jeanne Janvier, bon, il y a eu des textes de chansons pendant quelques années, oui. On comprend ça, mais entre Jeanne Janvier et la trilogie de Cap au Renard, avant que vous repreniez la plume, il y a quand même 20 ans qui se sont passés. Oui. C'est la vie? C'est où c'était la c'est recherche? C'est la vie. Vous étiez la recherche? Ben, c'est-à-dire que Jeanne Janvier, c'est le journal de mes 20 ans, en fait. Puis c'est grâce à Robert Lalonde. Hein. Robert, c'était mon grand ami. On a partagé une maison à la campagne. On a joué au théâtre ensemble. Il a été mon metteur en scène. Et j'avais fait lire de mes pages de journal à Robert. Puis Robert, il dit, mais il y a un livre là, Louise. Puis c'est comme ça que c'est lui qui a été mon parrain littéraire, puis a envoyé à 3 maisons d'édition qui ont dit non, parce que, tu sais, il faut s'armer de patience avec les maisons d'édition. Mais un coup que t'es publié, ça va bien. Mais avant d'être publié, puis finalement, j'ai été publié chez Libre Expression à ce moment-là avec Jeanne Janvier. Mais après ça, moi, j'ai c'était un rêve de devenir une écrivaine. Fait que moi, je suis à plein dans ma carrière de comédienne, d'actrice, puis j'écris des chansons, puis je chante, puis ça va être vraiment un moment donné dans mon journal. Je vais commencer à écrire une petite indienne joufflue, court dans la forêt, sa mère malade vient d'ouvrir les yeux, j'ai 10 ans. Dans mon journal. Puis là, je continue. C'était plus de vous, là, dont il était question. Là, au bout de 4-5 pages, j'ai fait, mais c'est une écriture romanesque. Alors, j'ai mis ça de côté, puis j'ai pris des feuilles, puis j'ai continué à écrire ce qui va devenir le roman L'Enchanté. Okay. Mais j'ai écrit comme 80 pages, puis j'ai caché ça dans un tiroir, puis j'ai laissé ça. Et c'est en allant visiter la maison d'édition à l'époque Québec-Amérique pour aller porter une lettre à Micheline Lachance. Je venais de lire le fabuleux, ces 2 livres sur Julie Papineau que j'ai adoré. Puis j'avais écrit une lettre à Micheline pour la féliciter, puis j'étais allée la porter parce que j'habitais le Vieux-Montréal à ce moment-là. Puis j'étais presque voisine de la maison d'édition. Et voyez-vous le destin? Et là, à ce moment-là, il y a Normand de Bellefeuille qui est... Puis Normand va entendre ma voix, puis il va reconnaître ma voix. Je ne sais pas pourquoi, où je me suis nommée. J'ai dit, bien, Louise Portal, je viens porter ça. En tout cas, il est arrivé à la réception, puis il m'a invité à m'asseoir dans son bureau. Puis il m'a demandé, il savait que j'avais publié déjà Jeanne Janvier, imagine. Puis il m'a dit, est-ce que vous écrivez encore? Bien, j'écris mon journal. Puis il dit, vous n'avez jamais écrit autre chose? Non.
Ben oui, j'ai commencé quelque chose, mais je ne sais pas quoi répondre. Puis il me dit, je serais intéressée à lire ce que vous avez écrit. Hey, j'ai même pas d'ordinateur, je ne sais pas taper à la machine. J'appelle au théâtre de la Licorne, Paul, puis je demande à Paul si elle peut me taper mon texte, mes 80 pages, puis je m'en vais porter ça chez Québec Amérique. Et je n'aurai pas de nouvelles pendant 2-3 mois. Et à un moment donné, j'appelle pour dire, écoutez, moi, j'aime mieux que vous me disiez, ça ne vous intéresse pas, mais pas savoir, moi, ça me tue. C'est pareil quand je passe une audition Donnez-moi une réponse. Oui. Et finalement, c'est Jacques Allard qui va me rappeler. Jacques a lu ça. Et Jacques, lui, ça l'a beaucoup interpellé comme directeur littéraire. Et je vais être 10 ans, je vais faire 10 ouvrages sous la direction littéraire de Jacques. Fait comme quoi, il ne faut jamais... Moi, je n'allais jamais du premier coup, mais ça finit par fonctionner. Comme le conservatoire. Exactement, François. Alors, je rebondis sur vos propres mots. De l'écriture, vous dites que c'est la voie du dévoilement. Et dans un de vos livres, vous avez écrit cette très belle ligne. Écrire recèle une magie. Écrire devient le chaman des vieux chagrins et des blessures anciennes. La plume fouille, raconte, explore toutes les ramifications de l'être. On ne peut jamais éviter les sentiers que notre imaginaire choisit d'emprunter. Mmh. Oui, mon père me disait ça dans ses lettres. À l'époque, je suis jeune, là, je suis à Montréal. Puis à un moment donné, papa m'avait envoyé une lettre. Puis il me disait que... C'était vraiment intéressant. Il disait qu'il est en train d'écrire un roman, puis il disait, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui contrôle, c'est les personnages, puis les personnages, ils veulent vivre, puis ils veulent traverser des affaires, puis moi, je suis là, puis j'écris, puis ça va vite, là. Puis je l'ai expérimenté. Beaucoup d'écrivains le disent. Ah oui, c'est fou, parce qu'on veut s'en aller là, mais le personnage, il veut pas aller là, il veut aller là. Et ça, là, c'est particulier... Puis ça, je vais vraiment y goûter là, quand je vais écrire ma trilogie gaspésienne. Là. Ça va être vraiment intéressant. Parce que je ne pensais pas écrire une trilogie. Moi, j'ai écrit Cap au Renard, parce que c'est très particulier l'écriture de Cap au Renard, comment ça vient. Parce qu'il y a toujours une histoire derrière l'histoire d'un roman, ça, vous savez ça. Et je vais écrire Cap au Renard, mais ça va être un très, très grand succès. Je vais en vendre 25 000 copies. Je vais être en nomination pour le prix Archambault. En tout cas, tout ça pour dire que je vais... Je vais acheter avec mes droits d'auteur la maison où j'ai écrit Cap au Renard, en Gaspésie, qui est une maison très importante dans la vie de mon mari, où il va commencer le chemin de la sobriété en 76. Et puis là, ben, j'écris ça. Puis un jour, c'est Jacques Allard. T'sais, c'est là qu'on voit un bon directeur de théâtre. Jacques Allard va me dire, « Es-tu certain, Louise, que la Gaspésie n'a pas autre chose à te révéler? » Là, je fais, hein, écrire une suite, mais là, j'ai aucune idée. Et la vie va m'amener... Devant un tableau. Au château Saint-Ambroise, à Saint-Anne-des-Monts, devant un tableau. Mais le tableau, il n'est pas là. Mais moi, je le vois parce que ça termine le tome 1 de ma saga gaspésienne de Cap au Renard. Puis là, je vais avoir comme une révélation. En sortant de là, je vais aller à la librairie de Saint-Anne-des-Monts, je vais acheter un cahier, puis je vais écrire la suite, puis c'est la promeneuse du Cap. Puis les Sœurs du Cap, bien, il va y avoir encore un autre événement qui va faire que je vais écrire les Sœurs du Cap. Et, on parle des Sœurs du Cap, on va parler de votre sœur. Ben oui. Parce que vous n'êtes pas des seules, vous êtes née avec votre jumelle non identique, la comédienne Pauline Lapointe. Je pense qu'on a des photos qu'on va pouvoir voir. On vous voit maintenant ici. Alors ça, c'est la couverture du livre que vous allez écrire après son décès, en fait, 5 ans après son décès. Oui. Pauline et moi, ça aussi, il y a des post-it. Je le conseillerais à tous les gens qui ont un deuil à faire. Qu'importe la relation que vous ayez eue avec cette personne-là, il y a des moments de réconciliation avec la vie, avec la personne, avec soi-même dans ce livre-là. J'ai été profondément touchée. Je vous laisse en parler un petit peu. Oui. Puis ben d'ailleurs, j'ai laissé, hein, tu as vu, Françoise, des pages lignées à la fin. Oui, tout à fait. Pour qu'on puisse écrire un peu le deuil qui nous habite. Parce qu'on a tous des deuils, puis en vieillissant, on en a beaucoup, parce qu'on fait non seulement le deuil de gens qu'on aime, mais on fait le deuil de nos maisons, on fait le deuil de notre travail, de notre profession,
Alors, ça, c'est un livre qui marque, en fait, mais les débuts de mon association, mon partenariat avec les éditions Druide et avec Anne-Marie. Avec Anne-Marie, j'ai trouvé la personne extraordinaire pour m'accompagner dans ce livre-là. Jacques Allard prenait sa retraite de direction littéraire chez Urtubiz, et c'est comme ça que je me suis retrouvée, donc, chez Druide. Et j'avais commencé, en fait, à écrire comme une nouvelle à un moment donné. Ça s'appelait « Adieu Valence ». Ça, c'était avant que Pauline décède. C'était comme une façon pour moi de commencer mon deuil de ma sœur. Parce que la relation avait été assez tourmentée, assez tumultueuse. Épineuse. Oui, c'est ça. C'était épineuse parce que nous autres, on n'était pas identiques. Donc, notre dynamique, c'est souvent comme ça dans les couples gemellaires. Il y en a une qui veut fusionner, puis l'autre veut s'affranchir, veut quitter la relation. Alors, moi, je voulais être unique. Je ne suppose pas pour rien que j'ai changé de nom. Vous ne vouliez pas être habillée pareil, par exemple. Tout le monde nous a, toute notre enfance, ils nous ont appelé les jumelles. On était habillées pareil. Donc, moi, j'avais un grand, grand besoin de m'affranchir de ça. Et Pauline, au contraire, voulait fusionner. Donc, ça l'a créé surtout à partir de nos années de jeune femme, là, des difficultés. Puis Pauline, ça a pris du temps avant qu'elle décide qu'elle voulait être une actrice. Elle voulait pas faire comme moi. Mais moi, quand elle m'a dit ça un jour, je l'ai aidée. En tout cas, je raconte tout ça là-dedans. Puis je raconte comment le fait d'écrire ça, ça m'a permis d'avancer dans mon deuil puis de voir aussi tout ce qui avait été positif, pas juste ce qui avait été négatif. Une réconciliation, pas seulement... C'est vraiment un texte sur le deuil et la réconciliation. Puis il y a des photos, puis c'est vraiment un très beau livre, puis qui a accompagné beaucoup de monde depuis qu'il est sorti en 2015. Ça a accompagné beaucoup de gens parce que dans les familles, c'est compliqué. Dans les familles, il y a beaucoup... Dans quelle famille, c'est pas compliqué? C'est ça. Alors, puis c'est tellement important de se réconcilier, tu sais, avec soi-même, puis avec les autres, puis on peut le faire même à l'intérieur de soi, même si la personne n'est plus là. C'est vraiment important. Alors, c'est un travail, ça a été... puis des fois, tu sais, je me disais, tu sais, j'écrivais, puis... Je me disais, mon Dieu, tu sais, Pauline, es-tu correct que j'écrive sur nous deux comme ça? Oh, je pense qu'elle aurait été d'accord. Puis, je prenais mon cahier, tu sais, j'avais mon cahier, puis là, je le mettais comme ça sur mon cœur, puis je disais, Pauline, manifeste-toi. Vous l'avez lu, Françoise, hein? Elle se manifestait. De son nuage, elle se manifestait. Alors, il y a eu des événements, des synchronicités que je raconte là-dedans qui sont absolument merveilleuses, lumineuses. Puis je vais vous en nommer juste deux, là. Un jour, je donne une entrevue pour l'itinéraire, le magazine L'Itinéraire, que j'aime beaucoup. Et... le journaliste qui doit m'interviewer, en tout cas, il y a un pépin avec sa voiture, puis j'attends au café L'Itinéraire. Et là, il arrive une jeune femme, puis elle dit, est-ce que je peux m'asseoir? Puis elle a un accent étranger, un accent, en fait, belge. Et j'ai dit oui, et elle me dit, je suis tellement contente de vous rencontrer parce que j'étais dans la chambre de votre sœur au moment où elle a été hospitalisée à Hippolyte. Elle est Hippolyte. Parce que Pauline était très incohérente dans les dernières semaines de sa vie parce qu'elle avait des métastases au cerveau dues à son cancer du sein. Et on ne savait pas ce qu'elle avait. Elle était fait une vie très difficile. Et puis, elle dit, moi, je m'en occupais beaucoup. Puis elle dit, ils m'ont changé de chambre parce qu'ils ne voulaient pas que... Ils trouvaient que je m'occupais trop d'elle. Puis elle dit, je voulais savoir qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, elle me compte tout ça. Puis elle me dit, vous savez, elle vous aimait beaucoup. Alors, la vie s'était chargée de vous envoyer un signe encore une fois. Une messagère belge. Tout à fait. Ça a été quoi, les correspondances des semaines? Comment s'est née cette idée-là? Oh, mon Dieu. C'est quelque chose qui fonctionne encore très bien. Oui, c'est la 19e édition cette année. L'année prochaine, on va fêter le 20e anniversaire. Alors, écoutez, moi, j'habite Eastman depuis quelques années. Et finalement, mon directeur littéraire, Jacques Allard également, il décide de déménager là à plein temps. Et un jour, je croise Jacques à l'épicerie et il me dit, « Louise, on a un nouveau maire, ce serait le fun qu'on essaye de monter quelque chose de culturel au village, qu'est-ce que tu en penses? » Ben, j'ai dit, « Ben oui, certain. » Fait que, il dit, « Pensons à ça, tu sais, peut-être un festival de quelque chose en lien avec les mots, la poésie. »
Et moi, je suis présidente des rendez-vous du cinéma québécois à ce moment-là et je m'en vais à Paris pour la Semaine du cinéma du Québec. Et j'appelle mon ancien voisin sur Laurent du Rocher à Eastman, qui était aussi un ami de mon adolescence, Robert Desbiens. Robert, que nous a quittés lui aussi. Et Robert. Ça fait beaucoup de deuil. Ouais. Et Robert, à ce moment-là, il est directeur culturel du Centre canadien à Paris. Fait qu'on s'en va manger avec Robert. Puis c'est merveilleux. Puis là, il dit, comment ça se passe à Eastman maintenant? Vous avez un nouveau maire? J'ai dit oui. Puis j'ai dit, là, on jongle, là, une idée pour tirer un. Puis là, il me regarde, puis il fait, on mange encore ensemble dans 3 jours. Et il m'a fait rencontrer le fondateur, le cofondateur des correspondances de Manosque en France. Et puis là, on parle de ça. Puis là, écoute, je suis revenue à Eastman avec un dossier de presse, ça de gros. Puis là, j'ai appelé Jacques alors. Puis je suis allée m'asseoir chez Jacques. J'ai dit, Jacques, on l'a notre projet, les correspondances d'Eastman. Fait que là, Jacques, il était enchanté. C'était tout à fait dans ses cordes. En plus, Jacques a été le directeur littéraire du festival pendant presque 15 ans, si ce n'est pas 17 ans. Alors, ça se passe sur quelques jours, oui, un week-end? Quatre jours. Du jeudi au dimanche. Alors, c'est dans le village de Eastman. Les gens peuvent venir écrire des lettres. On fournit le papier, les enveloppes. Il y a des boîtes à mal dans les commerces. Et c'est animé par des cafés littéraires avec des écrivains. Il y a toujours un thème à chaque année. Il y a un concours. Il y a des spectacles, toujours en lien avec l'écriture, avec les mots. Et c'est formidable. Alors, il y a plein d'écrivains qui sont venus. Dany, moi, quand j'ai quitté le conseil d'administration, puis en fait, j'étais un peu comme la muse, si on veut, la porte-parole. J'ai passé le flambeau à Francine Ruel, qui habitait aussi les cantons de l'Est. Puis de Francine, ben, il y a eu Dany Laferrière. Je pense qu'il y a eu, dernièrement, il y a eu... Christian Bégin, Kim Thuy, bon. Et alors, à chaque année, il y a toujours quelqu'un qui est un peu comme le parrain ou la marraine de l'événement. Et aujourd'hui, il y a votre nom sur des sentiers. Oui, alors, ils ont fondé, c'est ça. Mais ça vient de la communauté, en fait, pour me remercier d'avoir cofondé ces correspondances. Ils ont ouvert un sentier dans le village à mon nom avec des magnifiques panneaux où on voit un peu ma vie défiler. Et j'étais très fière parce que j'aime ça. Je trouve que ça est en lien avec moi, la nature. Et c'est un sentier de poésie avec des poèmes. J'aime mieux ça qu'un boulevard. Là. Ben, une bibliothèque, je n'haïrais pas ça. À bon entendeur. Alors, parmi les ouvrages que vous avez publiés, j'ai bien aimé le journal de ma vie. En fait, c'est pas de la, il n'y a pas un grand texte de vous dans ça, c'est plutôt un outil que vous offrez, oui, aux gens pour pouvoir écrire soi-même son journal. Parce que c'est vrai que c'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude de tenir des cahiers comme vous au jour le jour. On veut écrire quelque chose parce que vous trouvez ça important, on l'a dit tout à l'heure, la transmission. Alors, on ne sait pas trop par où commencer, comment s'y prendre. Alors, oui, c'était ça, je pense, l'idée derrière. Bien, c'est ça. C'est parce qu'on me demandait souvent dans les salons du livre, « Ah, moi, Madame Portage, j'aimerais ça écrire. J'écrivais quand j'étais adolescente. » Parce que nous autres, à notre âge, on écrivait. Hein? Quand on était adolescente, on n'avait pas de téléphone comme ça, non? Fait qu'on écrivait. On avait des correspondants. Puis, « Ah, j'aimerais ça. » Mais, tu sais, les gens ont comme une sorte de pudeur, je dirais. Puis, on a une certaine structure aussi. Oui, hein, une structure. Mais... ça, c'est ludique. C'est-à-dire que vous pouvez commencer, tu sais, il y a l'enfance, l'adolescence, ensuite c'est les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, 60 ans et plus. Vous pouvez commencer dans... celle qui vous inspire à, oui, ce moment-là. L'autre, ouais, jour, j'ai rencontré une dame, elle m'a dit, moi, j'ai commencé, puis là, je suis rendue à 50 ans. Mais j'ai rencontré d'autres gens qui ont dit, ben moi, j'ai écrit sur ma quarantaine. Tu sais, t'as déjà été dans la soixantaine, ils sentaient le besoin d'aller tout de suite dans leurs années de quarantaine. Puis moi, ben je mets des extraits de ce que je vivais dans ma quarantaine, des images, des collages que je faisais. Donc, c'est comme une façon de dire, comme je dis, on n'est pas à l'école, parce qu'une fois, une dame a dit, là, bon, Madame Portal, je suis arrivée. Là, elle est arrivée avec son cahier. Puis là, elle dit, je suis pas mal avancée. Fait que, regardez, mais elle n'avait rien d'écrit.
m'a dit, je suis bien avancée dans mon brouillon. J'ai dit, non. Non, 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 surtout pas. Si on n'est pas à l'école, là, il n'y a pas de brouillon. J'ai dit, c'est ça l'idée d'écrire, c'est de laisser monter, hein, ce que je disais tantôt. Là. Dans la main. Hein, Françoise, tu vas le retenir, ça? Ah oui, ah oui, oui, tout à fait. Fait que, non, il n'y a pas de règles. Il faut que ce soit un exercice qui nous remplit de joie, puis de plaisir, puis c'est comme si on se rencontrait avec soi-même. Une revisite de nos oui. années. Oui. Louise, vous n'en faites pas un mystère, vous avez 71 ans. Sur avenue.ca, vous avez publié, on vous avait demandé un texte pour notre rubrique « Le fil du temps » où on invite des personnalités à nous parler de leur passage, passé la cinquantaine, la soixantaine, etc. Oui. Vous aviez amorcé votre texte ainsi. « Vieillir, ne plus reconnaître, c'est ne plus reconnaître le paysage de sa vie. La maison de notre enfance a disparu. Le boisé où on allait jouer est devenu un centre d'achat. Les bonbons n'ont plus la même saveur. » Alors, avant de conclure cette entrevue ce soir, peut-être que ce serait le dernier mot sur lequel on réfléchirait avec vous, vieillir. Oui, vieillir. Bien, je l'aborde hein, dans plusieurs ouvrages parce que là, quand on est rendu à 71 ans, c'est sûr que depuis que j'ai franchi le cap de la soixantaine, je réfléchis beaucoup à ça. Je pense à la mort, je pense à la maladie, on perd beaucoup de gens autour de soi. Je crois vraiment qu'on vieillit comme on a vécu. C'est-à-dire que toutes les étapes de la vie, on doit les embrasser, on doit accueillir tout ce qu'il y a dedans. Puis c'est comme ça qu'on peut arriver à être en harmonie avec qui on est à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Ça me fait toujours un peu de peine, tu sais, quand les gens qui arrivent à 50 ans, mon Dieu, là, c'est épouvantable. Puis là, non. Moi, mon mari m'a donné un massage aujourd'hui parce que Jacques a été massothérapeute. Puis. Pratique, ça. Oui. Bien, il m'en donne moins souvent parce que son corps est hypothéqué parce qu'il a fait ça pendant 30 ans. Mais je lui disais aujourd'hui, c'est fou, là, mais aujourd'hui, je sens mon corps qui a vieilli. Juste la façon dont il me touchait, souvent, c'était douloureux, c'était sensible parce que, j'ai dit, on dirait que là, mes nerfs puis mes affaires, alors il faut accueillir ça. C'est très, très important. Alors moi, je trouve que c'est bien de vieillir parce qu'on a plus de sagesse, on a moins de choses à prouver aux uns puis aux autres. On a fait la paix avec beaucoup de choses. On a été capable de se choisir à plusieurs moments dans sa vie. Alors, j'ai prise à plusieurs choses dans sa vie. Puis moi, je suis dans cette étape aujourd'hui où je sens que je suis semi-retraitée. Je l'ai senti il y a 2 ans, juste avant que la pandémie commence. Alors, je suis encore une actrice. Genre, qui dit tout le temps, t'es une actrice, tu vas toujours rester une actrice. C'est vrai. Oui, il va trop dans Paul à Québec. J'ai beaucoup aimé. Oui. Puis, c'est mon rêve, c'est d'avoir un rôle comme André Lachapelle dans Il pleuvait des oiseaux. Si vous n'avez pas vu le film, moi, j'ai une participation. Je joue avec André. C'est la dernière fois qu'on a joué ensemble. Je vous le recommande. C'est un film magnifique. Alors, moi, je rêve d'avoir un rôle comme Marie des Neiges dans un film. J'ai envie de rôles lumineux. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de violence dans les séries. Dans les téléromans, il y a beaucoup de drames, mais je sais qu'on vit beaucoup de drames sur la Terre, puis dans nos familles, puis tout ça. Mais moi, j'ai envie d'être un véhicule de transmission de lumière. C'est ça que j'ai envie. Est-ce que l'écriture sera toujours là? Ah, l'écriture va toujours être là, parce que l'écriture, c'est mon île. C'est mon île privilégiée, et puis... Une île sur laquelle on va vous rejoindre. Oui. Alors... C'est la fin de cette Est-ce que je peux finir avec une chanson? Ben oui, bien sûr. Oui, OK. Je vais vous chanter Ulysse et Pénélope. Oh! On retourne pour les enfants. Oui, OK. Un petit garçon rêveur rêvait de prendre la mer. De sa chambre au grenier, voyait au loin passer des bateaux colorés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il apprenait à compter les bateaux colorés. De bon matin, il partait avec maman Méduse cueillir sur les galets les trésors de la mer. Des morceaux de verre, bleu, blanc, rouge, jaune et vert.
coquillages et sable doux et des étoiles de mer. Dans son petit baluchon, pyjama et ourson, Ulysse rêvait de voyager, Ulysse rêvait de s'embarquer dans le livre du monde. Ulysse est un héros au pays des sirènes, grosse tempête et calypso. Oh, 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 oh. Un beau jour sur la grève, notre petit héros trouva dans une bouteille la lettre d'une fillette. Je m'appelle Pénélope, princesse aux yeux rieurs, à la chevelure bleue, écris-moi un petit mot et je te répondrai. Pénélope, quand tu chantes, des oiseaux sortent de ta bouche. Pénélope, quand tu ris, des oiseaux viennent se percher sur tes bras dorés. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, des oiseaux colorés sur tes bras viennent se percher. Ulysse et Pénélope étaient tellement heureux. Ulysse et Pénélope, ils devinrent amoureux. Ils commencèrent à écrire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, des histoires pour les enfants du monde entier. Voilà. Alors, c'est sur ces notes de l'enfance et de la tendresse qu'on termine cette entrevue. On va procéder au dernier tirage de la soirée. Mais tout d'abord, merci. Merci, Louise, pour cette entrevue très généreuse, merci pour les chants, pour les textes. Merci pour les heures que j'ai passées à vous lire, vraiment. Oh, t'es fine. Tout merci, à fait, Françoise. Vraiment. On a manqué de temps pour parler de plein de choses, mais c'est un trop long parcours. Mais en même temps, je vous invite, si vous avez besoin là, d'une petite couverte pour douce là, pour votre âme en ce moment, pour votre cœur, parce que vous en avez assez de tout ce qu'il y a de dur sur les réseaux sociaux et ailleurs, eh bien, je vous recommande de lire des lettres de grand-maman. Ça réchauffe le cœur, vraiment. Alors, on va procéder donc au dernier tirage. Cette fois-ci, deux exemplaires du journal de ma vie et un exemplaire de l'héritage des mots. Alors, Julie va me préparer un tout petit papier ou quelque chose comme ça, ou elle va me le crier, je ne sais pas. C'est la dernière fois, je ne l'entendais pas. Okay. C'est pour ça. Ah, merci, chère. Ah, ben voilà, elle écoute. Trois noms d'un coup. Oups. Alors, le premier tirage, donc un exemplaire pour le journal de ma vie, c'est Madame Guylaine Carrière qui remporte le premier exemplaire du journal de ma vie. Alors, pour le deuxième exemplaire, c'est Madame Fée Légaré. Elle s'appelle Fée, quel beau, quel joli prénom. Fée Légaré qui remporte ce prix. Et pour le dernier exemplaire de l'héritage des mots, Madame Ginette La Liberté. Donc, félicitations à nos gagnants. N'oubliez pas d'aller écrire votre adresse sur un message privé sur notre page Facebook. Je vous rappelle que le prochain rendez-vous avenue.ca est en direct le 19 octobre à la librairie Monet. C'est le salon avant le salon avec Claudia Larochelle et six auteurs de la rentrée. Puis, on vous prépare quelque chose pour début novembre qui sort un peu de l'ordinaire chez nous. Rando-bière. Ah, alors là, on est en train de vous concocter des itinéraires et des découvertes de microbrasseries québécoises. Je pense que ça va être très intéressant. Je veux profiter de l'occasion pour remercier Production Lopez, qui est avec nous à la technique. Excuse-moi, Herman, j'ai buté sur ton mot. Pour remercier Nomade Amoureux, Pascal Giroux, qui est à la régie depuis le Mexique, rien de moins. On s'offre ça. Remercier les éditions Druides, Montréal Cowork, saluer les gens de la FADOC. Et encore une fois, merci Louise Portal. C'est merci, la fin de François. Cette entrevue. Bonsoir. Au revoir tout le monde. Merci à vous d'avoir été là. Merci à nos participants en salle.